Le numérique est une nouvelle frontière de l'humanité que l'homme a déjà commencé à investir. La France est leader dans un certain nombre de domaines relatifs au numérique. Les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Pourtant, de nos jours, le numérique est trop souvent abordé sous l'angle purement lucratif et les progrès considérables qu'il permet sont confiés à des firmes multinationales, plus souvent américaines, qui ne pensent qu'à capitaliser et à monétiser nos données personnelles. Pourtant, le numérique possède un formidable potentiel émancipateur. Il permet un large partage des connaissances, comme avec l'encyclopédie collaborative Wikipédia, qui a fêté ses 15 ans l'année dernière. Il offre des outils aux utilisateurs pour qu'ils se réapproprient leurs données personnelles et le contrôle de leurs outils, avec les logiciels libres, par exemple, qui fournissent un code ouvert et librement partageable. Le numérique permet aussi de nouveaux modes de consommation grâce à l'économie collaborative qu'il promeut. Le projet de la France insoumise consiste donc à remettre le numérique au service du progrès humain en protégeant la vie privée et les données personnelles, en le mettant au service de la transparence démocratique grâce à l'ouverture des données publiques et en soutenant toutes les initiatives cohérentes avec le modèle de société collaboratif et solidaire que nous promouvons.